La société Container Service a été créée en 2007, c'est-à-dire que c'est une société familiale. Bon, mes parents faisaient la récupération de ferraille. Nous, en 2007, on a repris l'entreprise familiale. Et donc, nous, on s'est diversifié dans le déchet. C'est-à-dire que maintenant, nous, on trie tout ce qui est déchets aussi maintenant. Déchets banals, tout ce qui est bois, plastique et carton. Nous sommes la quatrième génération de récupérateurs. C'est mon frère William. Nous sommes associés tous les deux. Les secteurs d'activité, c'est tout ce qui est industriel, hein, c'est-à-dire que nous, on collecte les déchets ou les ferrailles dans les entreprises par le biais de nos bennes. On fait de la prestation de service. On travaille avec l'entreprise Vetoquinol, on travaille avec les entreprises style CNO, Forestia. Voilà, ce sont des grosses entreprises. Alors là, donc, on vient de recevoir une benne du site Evam sur notre site. Donc, cette benne a été collectée auprès d'une déchetterie, hein, Lure ou aux alentours. Maintenant, quand vous allez acheter une literie ou un meuble dans un magasin, vous allez payer une éco-participation. Donc, cette éco-participation est pour financer le recyclage. Maintenant, nous arrivons à trier, à dissocier tous les literies pour faire de la valeur énergétique, c'est-à-dire que ça passe dans un broyeur, on arrive à revaloriser le bois, on arrive à alimenter les chaudières avec le bois recyclé. La benne a été vidée et là, il va y avoir un premier tri mécaniquement. Alors, c'est-à-dire que la pelle va dissocier tout ce qui est gros volume. Elle va enlever tout ce qui est canapé, literie est rembourrée. Nous allons y aller manuellement ensuite. Hein. Il va y avoir un godet où nous allons dissocier le bois. Nous allons enlever tout ce qui est bois à l'intérieur du tas. Les projets pour l'avenir, oui, c'est de monter un deuxième bâtiment de 1000 m² où il va y avoir ma chaîne de tri à l'intérieur. Là, ce sera uniquement pour le déchet banal. Hein. Voilà. C'est-à-dire qu'on va mettre une presse à balles pour faire des grosses balles de carton et de plastique. Ma chaîne de tri va tourner et nous aurons 3 personnes supplémentaires. Nous avons de très bonnes relations avec notre conseiller qui nous fait énormément confiance. Pour les artisans, nous allons monter une déchetterie professionnelle. C'est ce qui va permettre de décanter les déchetteries aux alentours. Les professionnels donc viendront chez nous, auront un suivi de déchets qu'ils pourront mentionner sur leur devis quand ils feront des travaux dans des entreprises ou chez des particuliers. Là, il y aura un suivi de déchets. La passion de mon métier, c'est déjà tout d'abord la fierté de mon entreprise, de pouvoir avoir mes salariés et de trier donc tout ce qui est déchets. Blague, quoi. Ouais. Je suis pas blague, moi.